Sarah Ferguson, la mère de la princesse Eugenie, a pris la défense de son gendre, Jack Brooks Banks, récemment photographié dans une position quelque peu compromettante. En effet, elle, époux de la princesse, qui a accouché de leur premier enfant en février dernier, a été surprise en compagnie de trois jeunes femmes sur un bateau à Capri, et qui dit yacht et soleil, dit bikini, voire moonkini, ce que n'ont pas manqué d'immortaliser les photographes du Daily Mail. Des clichés qui passent mal car la princesse Eugenie était restée à Windsor pour s'occuper de leur nouveau nœud. Mais de son côté, Sarah Ferguson ne voit pas vraiment où est le problème. Il s'y était rendu en tant qu'ambassadeur de la marque de tequila Casamigo, l'un des sponsors du prestigieux événement. Jack est un homme d'une telle intégrité. C'est juste elle une des personnes que je préfère au monde. Je l'appelle James Bond, d'ailleurs. C'est juste un super héros pour moi et c'est un bon père, un mari merveilleux et il ne se met jamais en avant. Il aime rester en retrait, assure Sarah Ferguson lors d'un passage dans l'émission de BBC One The One Show. C'est bien simple, pour Sarah Ferguson, toute cette histoire est fabriquée de toutes pièces et son gendre ne faisait rien d'autre que son travail. Il travaille en tant qu'ambassadeur pour Casamigo, et il faisait son travail, alors je pense qu'il est important qu'on clarifie ça pour le bien de Jack, a-t-elle compris.